gamma. Qu'est-ce que c'est un film? Il y a Patrick qui a quelque chose à nous dire. Ah oui. Voilà. Alors maintenant, on fait silence. Attention, hein. Désolé de vous le dire, mais la première fois que je vous ai rencontré ne m'a pas laissé un grand souvenir. J'espère que ce n'est pas réciproque. Nous étions dans les années 50. À l'époque, et particulièrement depuis la fin de la guerre, un vent de folie commençait à s'emparer de la jeunesse. Des idées modernes naissaient ça et là. Les impératifs naturels n'étaient d'ailleurs pas étrangers à ce foisonnement. Comment concilier le corsetage plus que serré de l'éducation sentimentale de l'époque avec la fougue et le peu de patience des élans hormonaux? Bon, vous comprenez toujours pas ça. Pour ce faire, les années comptaient parfois jusqu'à 16 mois, voire plus. À ce propos, en ce qui concerne l'année de votre mariage de 1954, certains ici se souviendront qu'elle comportait 4 mois supplémentaires, 13 ans, 14 ans, 15 ans et 16 ans. Ce qui vous a permis, chers parents, de mettre en route, juste après votre mariage, au mois d'octobre 54, le merveilleux bambin qui allait naître 9 mois plus tard, en mars 57. J'imagine qu'à l'époque, le concept d'année extensible devait être assez difficile à faire accepter par vos parents. Peu réceptifs aux idées nouvelles. J'imagine qu'à l'époque, le concept d'année extensible devait être assez difficile à faire accepter par vos parents, peu réceptifs aux idées nouvelles. Mais revenons à notre rencontre. Malgré l'absence de souvenirs, le temps a fait son œuvre et j'ai fini par accepter et même apprécier que vous viviez sous le même toit que moi pendant les premières années de votre mariage. Mais il faut bien le dire, ce ne fut pas le tout repos. J'ai eu un mal fou à faire votre éducation. Au début, vous mettiez souvent en cause la qualité de mon travail scolaire. C'était vexant. Ensuite, c'était le tour de mes fréquentations ou de mes escapades nocturnes dans le monde des interlopes, qui étaient sous le feu de vos critiques. Puis, mon peu d'entrain en jouer aux vendeurs au bazar de la vallée vous a déçu aussi, je le sais. Heureusement, lorsque j'ai commencé à construire le poignet, vous avez regardé ça d'un air circonspect, mais pas négatif. Puis, la construction prenant de l'ampleur, vous n'étiez plus circonspect, mais interrogatif. Un peu comme un poisson devant un vélo. Puis, le temps passant, jugeant que vous étiez enfin apte à voler de vos propres ailes, je suis parti fonder une nouvelle famille avec celle qui est toujours ma femme. Mais je ne vous ai pas oublié. J'ai continué à vous suivre de loin. J'ai partagé avec vous les joies et les peines, les bons et les très mauvais moments. Aussi, entouré de ma femme et de mes enfants, on vous dit, on vous aime et on vous souhaite encore beaucoup de disputes conjugales, sans doute les hormones, mais pas les mêmes qu'au début. Si vous m'autorisez, j'ai aussi vous préparé quelque chose. Joliment bien dit d'ailleurs. Moi j'ai préparé quelque chose, mais honnêtement c'est moins décalé. Peut-être même moins grave que ce qu'il a rendu parce que c'est bien fait. Bon, moi je salue tout le monde si je n'ai pas fait le départ. Bon, je sais que j'ai tendance à déborder mon temps de parole. On me le reproche plusieurs fois. Même si je vais m'efforcer d'être comme un certain Pépin. Bon, nous voilà réunis dans cette occasion qui est à la fois sympa et rarissime. Rendez-vous compte, les noces de diamants de Victor et Clotilde célèbrent 60 ans de vie commune, une paille. Alors que de récentes statistiques donnent une moyenne de 7 ans pour la durée d'un couple marié. C'est sans doute la contagion de l'obsolescence programmée. Et de ma patience, je suis après. Alors, c'est le 2 octobre 1954 qu'ils se sont dit oui devant M. le maire, puis devant le curé qui n'était autre que notre cher Laurent. Pour les plus jeunes et pour ceux qui l'auraient oublié, ces noces étaient aussi celles de Jeannine qui collait encore au basque de son jumeau. Victor et Clotilde sont en quelque sorte les pionniers de cette promotion dans nos familles. Et espérons que cela ouvrira la voie à d'autres couples dans l'avenir. Nous savons qui a dit de Marseille là.
Donc, nous savons que nos deux vedettes du jour ne s'attendaient pas à ce déroulement en leur honneur. Et je suis certain que nous sommes tous ici heureux pour et avec eux. Imaginez que nous ayons zappé cette célébration. Cela aurait été dommage et regrettable après toutes les épreuves et tourments traversés à la suite de l'accident de Victor. Je tiens à remercier tout le monde pour leur présence, ainsi que les personnes qui m'ont aidé pour cette organisation. Tout d'abord, Janine, qui occupe une place particulière vis-à-vis de son jumeau. Entre parenthèses, hein, tous les deux ont eu 82 ans il y a deux jours. Moi, je croyais que c'était ça, en fait. Alors, sans oublier, on va finir avec ces belles fleurs, là. Il y en a 40. C'est Janine qui les a confectionnées. Sans oublier Monique, qui me supporte, il faut le faire, et m'a bien suppléé pour tous mes contacts, mails et téléphones. C'est elle qui a confectionné les sachets de dragées qui vont arriver. Je dois transmettre tous les vœux et la sympathie de la famille Manachon ainsi que ceux de nos cousins d'Italie. En ces heures de joie, ayons une pensée pour tous ceux qui nous ont quittés et dont la plupart se trouvent à deux pas d'ici. Bon, concernant les nouvelles récentes et à venir, je peux vous informer ou vous rappeler que, premièrement, le 26 septembre dernier est venu au monde, en Bretagne, Opal, fille d'Oriane, petite fille de Brigitte de Jean-Marie. Vive Opal ! Décidément, cette région devient un deuxième berceau pour notre famille. La Bretagne. Bon, Flora, qui a eu quelques ennuis en début de grossesse, se porte beaucoup mieux, assurant certainement une future compagnie à Dimitri, qui est parmi nous. Enfin, je terminerai par là. En souhaitant que les mois à venir se passent au mieux, je vous annonce, certains sont déjà au courant, je vous annonce que le printemps prochain, Monique et moi-même intégrerons un cercle très fermé, occupé aujourd'hui par la seule Janine, celui d'arrière-grands-parents, suite à une décision d'Adeline et de Jérémy. Donc c'est 72 ans. Voilà. Tu veux me dire à l'envers?